D'habitude. Téléphone qui sonne. Tiens, tu me prends toi, ça fait. Merci. Allô? Ah, salut Pierre, ça va? Oui. Oui. Non, je me prépare là, je vais aux chevaux. Oui, ok. Bon, cet après-midi? Bon, tout le monde est là? D'accord. Et puis Fabien, tu lui prépares? Oui, pas comme d'habitude. Hein, à l'heure. Fabien. Ok. Je te remercie, Pierre. Allez, super bien. Salut. Il y a une vache, quand même. Je décoche. Ouais. Il est répété pour la musique. À quelle heure? Bon, au début d'après-midi. Sur les coups de 15h. Mmh. Là, j'ai 19 ans. Je suis à la Courneuve et j'étais monté un petit peu à cheval déjà. Mais en balade, en touriste. Et au cours de la balade, le petit qui nous accompagnait se retourne et nous dit « Tiens, je cherche un palefrenier. Si vous connaissez quelqu'un, moi j'ai dit ça m'intéresse. » Et ce type, c'était Mario Moracci. Et j'ai commencé comme ça dans les chevaux. Quoi. Bah où ? Je joue au foot un peu. Ah bah ok, allez. Bon, tout à l'heure. Ouais. Allez, bisous. Tout à l'heure, garçon. Là, Carole, je démarre. Faisait monter à cheval, débourrer les chevaux et tout. Mais les chevaux les plus difficiles arrivaient chez lui. Voilà, donc il prenait tout et il dressait les chevaux, il les débourrait et tout. Et moi, je faisais un peu le sac de sable. Je suis allé avec lui sur des tournages et puis ensuite, j'ai commencé à faire de la voltige. Le secrétaire d'État américain John Kerry estime que cette conférence pourrait avoir lieu avant la fin du mois. Pour le médiateur international Lakhdar Brahimi, ce rapprochement entre la Russie et les États-Unis est un premier pas très important pour inciter le régime syrien et les rebelles à trouver une solution politique. Et puis ensuite, je suis parti à la mer de sable. J'ai rencontré là un type aussi qui est toujours un ami, qui s'appelle Georges Branche, qui est un type extraordinaire aussi. Et puis j'ai commencé à travailler là et à apprendre mon métier de cascadeur à cheval et de voltigeur. Voilà. La perturbation venue de l'Atlantique s'approche, les pluies les plus marquées sur la Normandie se décalent vers la frontière belge, les pluies de l'île de France se décalent vers Je pensais que j'étais plus capable de monter à cheval en étant aveugle. Je pensais que c'était plus pour moi. Voilà. Et puis pendant très longtemps, chaque fois que j'arrivais aux écuries et que je prenais les chevaux, j'avais quand même une boule, hein, une boule au ventre. Et quand j'enlevais les pieds du sol et que je posais mes fesses sur le cheval, là je me remettais complètement au cheval. Et là, ça n'a pas été facile. Le fait aujourd'hui d'avoir
d'avoir perdu la vue et d'être obligé de me comporter autrement parce que je n'étais pas capable de monter comme un voyant. Et j'étais obligé de me dire, voilà, il faut aller doucement, et plus tu iras doucement, et plus ça ira vite. Et j'ai compris ça. J'ai rencontré un gars un jour qui avait un cheval espagnol, et ce type me dit, ben tiens, je prends des cours chez un écuyer qui s'appelle Michel Henriquet. J'ai dit, tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien voir ça. Et voilà, et j'allais voir Michel Henriquet tous les dimanches matins. Aujourd'hui, on parle d'éthologie, d'équitation éthologique, de comportementalisme, de choses comme ça. Je crois en ça complètement, je veux dire. Je crois que aujourd'hui, parce que je suis obligé d'aborder différemment. La technique, c'est une chose, mais la relation, c'est extrêmement important. Mais le fait de remettre mes mains comme ça sur des petits détails du... détails dans l'encolure, dans la ganache, dans l'auge, le bout du nez, tout. J'arrive à faire le contour et ça me donne vraiment un ensemble et c'est incroyable. Et le fait de les toucher comme ça, ça les apaise. Je les touche, alors je veux dire que il n'y a pas besoin d'être aveugle pour toucher ses chevaux, hein. Faut toucher. Mais moi, c'est la seule façon que j'ai de communiquer avec eux. Quand j'allais chez Michel Henriquet, j'entendais ces choses-là. C'est un cheval, je l'ai récupéré, puis j'ai commencé à le débourrer avec Julie, ma fille. Faut que ça avance, hein. Et puis, on l'a débourré tous les deux. Il vient et reprend la piste, gentiment. Avec ta jambe gauche, il ramène de l'autre côté là-bas. Voilà, caresse-le. Et puis je l'ai monté, ça s'est bien passé. Ouais, bien. Oh, très bien, ça c'est bien. Et là? Ah, c'est bien. Alors il a toujours ses réactions de poulain, il a ses moments de frayeur, il voit des fantômes et tout, mais bon. Voilà, c'est un cheval qui va me donner vraiment des satisfactions, beaucoup. Voilà. Je ne cherche pas à m'accrocher ou mettre un coup de badine parce que le cheval a désobéi, non. Parce que c'est comme ça que j'apprends les choses. Et j'apprends tellement à tel point que quand on est dans le rectangle, c'est les chevaux qui me donnent la situation. Là, il a vu quelque chose là-bas à gauche. Là. Quand je suis tombé devant ce cheval, cette aïa-là, je me suis dit, bon, allez, il faut y aller. Alors, il faut y aller, entre dire, il faut y aller et puis le faire. C'était peut-être un petit peu d'orgueil, à la limite, en me disant, bon, je vais y arriver tout seul. Cet orgueil, il a été vite mis à bas parce que je me suis retrouvé face quand même à des difficultés, surtout avec lui. Eh bien. La première fois que j'ai mis le pied dans l'étrier, puis dans la seconde qui suivait, j'étais de l'autre côté du cheval. Alors autant il s'est apaisé, mais moi il m'a apaisé aussi, parce que tous les deux, on a besoin l'un de l'autre, parce que moi il m'a beaucoup appris pour arriver à dompter cette impétuosité, ces frayeurs et tout. Aujourd'hui, je peux évoluer dans un espace comme une carrière de 60 par 20 avec des repères sonores. Quelque chose qui lui fait peur là. Je suis intégré complètement au corps du cheval. Ouais, c'est bien. Je donne une indication et je me fie à la position du corps du cheval. Faut partir du principe que, de toute façon, quand tu demandes quelque chose, si tu l'obtiens pas, c'est pas le cheval, c'est toi. Excuse-moi, excuse-moi.
excuse-moi, c'est moi, c'est moi. Quand un cheval arrive, par exemple, dans le coin, allez, sa respiration n'est pas la même. Il voit le coin arriver, j'entends sa respiration qui... Il dit, qu'est-ce qu'il va me demander là? Est-ce qu'il va me demander d'aller à la tête dans le mur ou est-ce qu'il faut que je tourne? Je sens qu'on arrive au coin et moi je me dis, il est dans le coin, prends le coin, prends-le. Je vois clair grâce à eux. Et j'ai les radios qui me donnent une indication, mais eux sont mes yeux, voilà. Il est pas beau ce cheval, franchement. Hein? C'est une gravure. Chaque jour qui passe, il y a de moins en moins de choses qui sont difficiles à faire.